Are you looking for a new dentist? You need a filling or a new smile? Choosing a dentist can always be a difficult experience. But now there is Slow Dentistry, a
A slow dentistry clinic is different than a regular clinic. Why? Because the minimum time for an appointment at a slow dentistry clinic is 1 hour. Our dentists make sure that in between appointments, the treatment room is correctly disinfected so that you don't get any illnesses from the previous patient. They will also take all the time it requires to let the anesthetic take its full effect. They will always explain each step of the procedure and give you a signed valid consent form, and always use a rubber dam for root canal therapy and most of the filling. Slow dentistry not only does great dentistry, but also protects the patient to make a trip to the dentist a wonderful experience. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ogenol Live. Excusez-nous un petit peu du retard et puis je vous promets par contre qu'on ne rattrapera pas ce retard. J'ai l'honneur, un véritable honneur, de recevoir ce soir une personnalité du monde dentaire, il faut bien le dire. C'est Miguel Stanley. Miguel Stanley, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un praticien qui vit au Portugal, un praticien portugais, et qui nous fera l'honneur en plus ce soir de nous faire une conférence en français. Il est le fondateur de la célèbre White Clinic, une clinique dont le modèle exemplaire était véritablement à visiter. Et également, il est le cofondateur de la Slow Dentistry Global Network, à une institution dont on va beaucoup vous parler ce soir. Ce soir, le thème, ce sera les leçons du Covid, quels sont les besoins d'une dentisterie qui prend son temps. Et vous allez comprendre pourquoi ce soir. Et avec moi, pour nous accompagner, je reçois Cyril Gaillard, praticien à Bordeaux. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, Cyril, pour te présenter également, donc praticien à Bordeaux, qui est également cofondateur du GAD, et qui partage beaucoup de choses avec Miguel, en termes d'éthique, en termes d'organisation de cabinet, je crois. Et je pense que vous aurez beaucoup de choses à vous dire ce soir. Alors Miguel, écoute, le podium est à toi, c'est véritablement un plaisir de te recevoir et surtout que tu nous fasses encore une fois cette conférence en français. Tu as 30 minutes, mais en fait tu as tout le temps que tu veux, c'est parti. Merci beaucoup Jérôme, et pour commencer, il faut en première place excuser mon français horrible, malheureusement. Je ne parle pas plusieurs fois dans l'année. Je vais essayer mon meilleur de parler mon français, à des moments bons et des pas belles moments. Et quand je m'oublie les mots, je vais essayer de parler anglais. Et peut-être Cyril ou Jérôme, il peut m'aider à chercher les mots. En avance, c'est pour moi un plaisir, un honneur de être ici avec vous, Jérôme, que je crois que vous êtes peut-être de le plus avancé, advanced dentiste de France. Et vous partagez le board of directors de Digital Dentistry Society. Pour eux qui ne savent pas, c'est peut-être le plus célèbre, le plus grand et le plus important société de dentisterie digitale, www.digital-dentistry.org. Et chaque 2 ans, nous avons une belle conférence, et la prochaine sera 2023 à Maroc, parce que notre nouveau président, Jafar Mouy, il est de Casablanca, et le prochain meeting sera là-bas. Et sûrement, Jérôme, moi et Cyril, tu dois venir aussi parce que ton cabinet, c'est incroyable. Je suis un grand fan aussi à toi. Et merci aussi pour me faire l'honneur de me venir visiter. Combien d'années? 4 années que vous étiez là-bas? Ouais, 4 années. Je crois qu'on s'est rencontrés en Brésil il y a 5 ans. Et après, je suis venu. Ça doit faire 4 ans maintenant. Ouais. Incroyable ce que tu fais avec l'occlusion et aussi... Félicitations pour ton consistance avec le GAD Centre pour faire le traînement. Et je sais que vous suivez bien des gourous
de mindset dans le monde et vous êtes important pour la dentisterie, je crois. Parce que pour moi, il faut avoir une philosophie dans la vie. Les années dernières, nous avons la religion. Aujourd'hui, nous avons la politique. Plus important, nous avons l'argent qui sépare le riche de le pauvre. Mais dans la dentaire, dentisterie, dans notre industrie, il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup de... C'est un métier étrange. Et chaque pays a son manière de travailler. Et je sais bien qu'en France, c'est vraiment difficile d'être libre parce que la politique et le gouvernement, ils ont beaucoup de powerful, beaucoup d'influence sur la manière de travailler de le dentiste. Je travaille à Portugal exclusivement, mais j'ai aussi la licence de travailler à Dubaï et aussi à Angleterre. Alors, je passe beaucoup de temps à étudier le système du NHS en Angleterre. Ça paraît un petit peu à France, c'est pas la même chose. Et peut-être on peut parler sur ça au bout de cette petite présentation avec toi, Cyril, et avec toi, Jérôme. Et peut-être moi, que je suis pas français, je peux dire des choses un peu différentes que le narratif normal à votre incroyable pays. Alors, on va commencer. Ça, c'est moi, en 1999, mon petit cabinet. Ça, c'est avant social media, l'Internet est en train de commencer. Et il n'avait pas un benchmark, il n'avait pas un guide pour savoir comment je veux construire mon cabinet. Et mon guide, c'était Maurice Salama et Team Atlanta. C'est un groupe de dentistes à Georgia, Atlanta, aux États-Unis. Que c'est Maurice Salama, David Garber, Ronald Goldstein, Henry Salama. Et aujourd'hui, ils sont le fondateur de Dental XP, un des plus grands sites d'éducation dentaire au monde. Et toujours, je crois, des trop forts benchmarks de médecine dentaire interdisciplinaire. Et pour moi, avant d'avoir le site Internet moderne, j'ai bien parlé, beaucoup j'ai parlé avec eux pour avoir un cabinet confortable parce que avec 27 ans, je savais pas, j'étais pas sûr j'avais pas la confiance en mon capacité comme dentiste. Alors, on va avoir un waiting room, salle d'attente confortable, avec la lumière confortable. Parce que les gens aussi, ils veulent avoir une expérience, une belle expérience. Mais pendant les dernières années, la dentisterie a fait évoluer même. Pourquoi il y a des aujourd'hui, à 2022, qui travaillent de la même manière que 1999? Toujours aujourd'hui, il y a des dentistes qui travaillent de la même façon. Ils n'ont pas faire le développement pour la dentisterie numérique. Ils travaillent la même façon. Et c'est important de faire ici une petite mention que je ne crois pas qu'il y ait un dentiste qui travaille qu'avec la dentisterie numérique, c'est meilleur qu'un dentiste analogue. Mais je crois qu'on peut faire des choses différentes. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de temps. Le temps, les heures, les minutes, que c'est quelque chose pas normal à discuter à la dentisterie. Et pourquoi la plupart des jours sont-ils une lutte difficile de stress? La dentisterie, c'est-elle un produit de consommation? Quelle est la différence entre quelqu'un qui est avec de douleur dentaire ou quelqu'un qui veut de facettes ou des aligneurs, de faire un blanchissement? C'est la même chose, je ne crois pas. Il y a des dentistes plus médecins, il y a des dentistes plus esthétiques. Et peut-être il faut faire une séparation dans notre univers. Et pourquoi tant de stress et tant de petites guerres partout le monde? Ce n'est pas seulement en France, c'est au Portugal. J'ai fait déjà des conférences plus que 50 pays.
C'est le même, chaque pays a son problème. Et je crois qu'une des de plus importantes choses à penser, que c'est que notre combat, le combat de le dentiste tous les jours, est caché. 7 milliards de personnes ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est la dentaire. Notre métier, c'est presque un mystère. Et tu peux parler avec 50 dentistes différents et les demander qu'est-ce que c'est la dentisterie pour vous, et vous va trouver 50 réponses différentes. Et je crois que Hollywood a un rôle à jouer. Et pourquoi? Parce qu'en tout le film, comme cette film, le Hangover, le mec il demande est-ce que je peux voir le fiche clinique, je suis médecin. Et le mec il parle non, vous n'êtes pas médecin, vous êtes que dentiste. Et ça, c'est un problème parce que Hollywood, je crois que socialement, dans la vie, le dentiste, il n'est pas respecté comme un médecin, un vrai médecin. Nous devrions-nous pas avoir mieux l'exposition de la plus grande machine marketing au monde? Pourquoi les dentistes ne sont pas bien représentés aux sociétés? Et c'est en faire la question aujourd'hui, à centre-ville de Paris, qu'est-ce que c'est le meilleur endroit pour avoir une clinique à France? Et tout le monde peut être pas dentiste. Ah, je suis Champs-Élysées, le 16e encore. Ou le mètre carré, c'est le plus cher. Parce que, même comme le restaurant, son cabinet est sur Champs-Élysées, sûrement le dentiste est le meilleur dentiste. Mais je sais que Cyril Gaillard, qui travaille à Bordeaux, a dans son cabinet sûrement une clinique vraiment meilleure que plusieurs cliniques sur Champs-Élysées. Parce que le client, qu'est-ce qu'il paye? Il paye le mètre carré ou il paye la technologie? Qu'est-ce que c'est plus important? Et c'est ça que ce n'est pas au clair. Qu'est-ce que le patient il paye quand il vient le dentiste? Il paye quoi? La technologie, il paye quoi? Alors, moi, je crois qu'un gros problème en dentisterie est que la plupart des patients perçoivent l'immobilier haut de gamme, une bonne marketing et une bonne couverture d'assurance comme un signe de qualité plutôt que de la technologie, des bons matériaux et des ressources humaines bien formées qui pratiquent une dentisterie slow avec une grande précision et éthique. Il faut suivre l'argent. Parce que qu'est-ce qu'on paye quand on fait une couronne? Qu'est-ce qu'on paye? On paye le zirconium ou le disilicate de lithium? On paye l'impression? On paye le scan? On paye l'anesthésie? Qu'est-ce qu'on paye? On paye le dessin? Qu'est-ce qu'on paye? Est-ce nous sommes sur Champs-Élysées, avec tout le respect pour le top cabinet? J'ai des amis avec le cabinet à Champs-Élysées, incroyable. C'est une métaphore. On peut changer. Beverly Hills, États-Unis, Beverly Hills. OK? J'ai sûr que le mètre carré au Beverly Hills, c'est plus cher que le mètre carré à Kentucky. C'est normal. Ça, c'est l'immobilier. Alors, c'est le dentiste à Champs-Élysées et le dentiste à la campagne, il charge 100 euros pour un traitement qui reçoit au bout du jour plus d'argent. Et si on suit l'argent, qu'est-ce que le client paye? Et ça, c'est important. Parce que moi, je crois, après de parler avec beaucoup de monde, qu'il a quelque chose que c'est caché, que c'est le temps. Un dentiste peut voir 8 personnes par jour, 8 clients par jour, 8 patients par jour. On peut voir 40 patients par jour. Et c'est le code de restauration d'amalgame ou de composite, c'est la même chose. Il peut faire 40 composites par jour, classe 1, ou il peut faire 8. Qui va faire un meilleur traitement? Bon, le dentiste plus expérimenté, avec beaucoup d'expérience, il peut faire plus de traitements avec moins de temps. Et peut-être un dentiste moins expérimenté, il a besoin plus de temps. Et cette formule, c'est quelque chose que pour moi, ce n'est pas bien développé toujours, et peut-être vous pouvez m'aider avec ça. Moi, je crois que la formule, c'est expérience, plus matériaux, plus plein de traitements, plus le temps égale à qualité. Alors,
Si vous avez un dentiste avec pas beaucoup d'expérience, il faut lui donner plus de temps pour réussir le même succès. Ou, si on baisse la qualité de la matériel, il faut donner plus de temps ou plus d'expérience pour avoir la même solution de succès. Alors, aussi, on peut voir que le cabinet dentaire, pour nous dentistes, on sait que le dentiste, années 60, le 80, l'année 90 et aujourd'hui, on a changé beaucoup. Le cabinet autour du monde a changé beaucoup parce qu'il a beaucoup de technologies et de nouveautés tous les jours. Mais le public, il ne voit pas le changement. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours avec le même dentiste. C'est le dentiste, imagine-vous, 60% de le dentiste en France ne fait pas l'évolution numérique aux décorations de la clinique avec la nouvelle technologie, les nouveaux traitements. Je sais aujourd'hui qu'à France, plusieurs dentistes font toujours des amalgames. Ça, c'est une catastrophe pour moi. Peut-être pas pour le dentiste, mais pour le patient et pour moi personnellement, je crois que ça, c'est pas... Pourquoi? Ça, c'est pas normal. Et aussi le patient qui voit, qui connaît cette dentiste, ah, mon dentiste, il est très sympa, il est incroyable, mais ils ne savent pas autre réalité parce qu'on ne fait pas le marketing fort de la cabinet dentaire. Et je crois que l'évolution, c'est améliorer la technologie, la technique et le software, mais la dentisterie n'a pas changé beaucoup. Parce que on ne sait pas toujours faire la différenciation entre dentistes. Toujours aujourd'hui, à 2022, quand on demande à un dentiste « Quel genre de dentiste êtes-vous ?» La réponse est « Je suis implantologiste, je suis esthétique, je suis orthodontiste, je suis parodontologiste, je suis restauratif, je suis intégratif, je suis... » Je crois que il manque cette expression. Je suis dentiste, dent singulière, ou je suis dentiste toute la bouche. Parce que c'est vraiment différent. Je sais bien le connaître. Je connais bien le travail de Jérôme et de Cyril. Je sais bien que Cyril, chaque fois qu'il commence son cas, il pense avec l'occlusion première place. Toujours. Je connais bien son travail. Et je respecte beaucoup parce que c'est difficile de vendre toujours occlusion comme plein de traitements parce que les gens... Plusieurs fois, il veut faire seulement les facettes de les quatre dents avant. C'est difficile. Mais je crois qu'il a beaucoup de questions à poser ici. La dentisterie devrait-elle être de moindre qualité pour les familles à faible revenu? Ça, c'est toutes les questions de penser. Je ne sais pas les réponses. Moi, je ne crois pas. Je crois que nous, dentistes, on ne peut pas faire la décision financière pour notre patient. Et je sais qu'à France, c'est obligé de faire toute la solution prothétique. Imagine, une couronne en métal, une couronne en zirconium, une couronne en composite. Et le patient, il peut élire. C'est vrai, correct, Jérôme? C'est correct. Et je crois que normalement, le client, qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce qu'il peut payer? Oh, qu'est-ce que l'État peut payer? Mais ça, ce n'est pas science. Qu'est-ce que c'est ça? Il a un autre nom. Peut-être c'est nécessaire. Peut-être c'est la seule façon possible de le faire. Mais ça, ce n'est pas dentisterie moderne. Et moi, je n'ai pas fait le traînement dans mes études pour faire cette sélection. Parce que je crois que c'est une obligation de le dentiste faire le upgrade toutes les années, et le dentiste que nous sommes aujourd'hui, et Jérôme et Cyril, on passe la vie à conférences scientifiques par tout le monde, on achète la technologie numérique plus moderne, on ne peut pas faire le traitement du siècle dernier. C'est difficile pour nous. OK? Et ça, c'est toutes les questions à poser. Et cela dépend de le lieu de naissance, éducation, revenu annuel, et en personne comprenant et et ayant accès aux soins de santé bucco-dentaire varie comme aucun autre produit de consommation sur Terre. Et aussi, ça dépend
de la bonne chance d'avoir un dentiste éthique ou pas éthique. Imagine un dentiste pas éthique qui veut gagner seulement d'argent. Et tout le monde ici connaît des dentistes comme ça. Ce sont des mauvais pommes dans la, dans la, dans la boîte de pommes. Il a toujours. On imagine, il a un problème économique, un divorce compliqué, il a besoin de gagner plus d'argent. Qui contrôle le dentiste? Personne. Et ça, c'est un problème. Et pourquoi les gens viennent nous voir, les patients? Pour esthétique, orthodontique, manque les dents, accident, second avis, mal soufflé, des implants, blanchissement. Notre offre, c'est la folie. En dentiste, en choc dentiste, il peut faire l'offre. C'est plus variable que quelques autres métiers médicaux. Imagine-vous un cardiologiste qui aussi opère le genou, qui fait des implants capillaires, qui fait le plastique, qui traite les ongles. Nous, dentistes, la qualité de traitement mécanique, physiologique, esthétique, c'est incroyable. C'est comme les restaurants qui en ont bouffé avec la nourriture de tout le monde. C'est difficile de manager. C'est plus facile de manager en clinique, en restaurant, avec un seul genre de nourriture. Et nous ne savons jamais qui franchit notre porte, ni ce dont il pourrait avoir besoin. Nous ne savons moins sur notre patient que sur notre chauffeur Uber. Les patients sont toujours en risque. A patient today, ils savent plus sur son chauffeur Uber, parce que le nom, combien de voyages il a fait, son rating, c'est 4.8 étoiles, ok? Et le Uber driver, ils savent plus sur son client que le dentiste, ils savent sur son client. Alors, deux étrangers qui ne se connaissent pas, on va se mélanger dans le siège de dentiste pour faire quelque chose de changer l'anatomie. Et il doit faire la confiance complète sur le dentiste. Et le dentiste, il doit être le plus éthique possible toujours. C'est quelque chose de compliqué, ça. Et qu'est-ce que nous demande notre patient? Pas de douleur, être ponctuel, ne prenez pas trop de rayons X, esthétique parfait, rendez-moi heureux, faites-le rapidement et pas cher, mentir sur l'assurance. Docteur, est-ce que vous pouvez dire que vous avez fait... Toujours. C'est pour ça que je n'ai jamais travaillé avec assurance dans ma vie. 24 ans déjà. Tu dois adorer pour toujours. Et le patient semble ne vouloir connaître aucun détail, sauf le détail financier. Combien ça va coûter? De l'heure et le prix. Il savoit, il ne soucie pas qui paye pour l'échec. Comment beaucoup gèrent une clinique? Pourquoi tu prends plus longtemps à faire les adroites choses? Comment beaucoup les technologies? Comment beaucoup, le coût du laboratoire? Toute notre complication à dernière de le traitement, ça c'est vraiment difficile. Et si vous êtes propriétaire de votre propre cabinet, en plus de ça, vous avez que payer le rent, you know, le mètre carré, le taxe, tout ça, c'est vraiment difficile. Et qu'est-ce qu'on fait bêtement? Tout ce qu'il demande pour ne pas perdre le client face à la concurrence, ou simplement pour remplir le quota quotidien et faire plaisir à notre patron. Et ça, c'est un problème pour moi. Oh, mais l'État, il m'oblige de faire amalgame. Pourquoi? Et je crois que le unwanted patient, il peut créer beaucoup de stress. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Alors, pour moi, tout ce pansement, je crois qu'il faut aller lentement. Parce que je crois que chaque patient peut créer beaucoup, beaucoup de stress. Il fait 20 ans que je veux seulement un patient par heure. J'ai 7 cabinets dans mon clinique, jamais plus que 8 patients par jour dans chaque cabinet. 20 ans déjà. Alors, je crois que la prosthétique axée sur le patient avec un traitement biologique invasif minimal alimenté par une technologie numérique impressionnante et de nouveaux matériaux suivre le pierre angulaire de la slow dentistry, donnez-moi 10 minutes et je vais expliquer, c'est la nouvelle norme. Et pour moi, nous comme scientistes dentistes, il faut toujours appliquer
la dernière technologie, pas la technologie de 2010 ou 2000 ou 1999. Il a toujours des gens qui travaillent comme c'est comme promener avec chevaux. Ouais, ça marche, mais c'est pas normal ça. En Angleterre, le temps minimum en moyenne pour une consultation avec un médecin sur le NHS de l'État, c'est 10 minutes. Le temps moyen pour une consultation dentaire aux États-Unis, excusez-moi, à Angleterre, sur NHS, c'est de 15 minutes. 55 millions de personnes, 35 000 dentistes. Chaque dentiste doit travailler 2 années exprès sur le NHS, qui signifie que nous avons presque 30 000 dentistes qui travaillent dans un système social et ils ont en moyenne de 15 minutes pour faire le traitement sur son patient. Et je me pose la question. Nous sommes préparés pour faire ça dans l'université? Où sont les études? Où sont les épreuves scientifiques qui on peut donner l'anesthésie, mettre le digue de gomme, faire l'access, nettoyer les dents et faire une belle restauration, ou faire une session d'endodontie en 7 temps. Ça, c'est la folie. Et si nous n'avons pas la régulation sur le temps, et un dentiste peut éléger voir 40 patients par jour, 60 patients par jour, parce que personne ne contrôle, parce que il n'a pas de police en dentisterie. Ça, c'est le vrai problème. Et je crois que c'est pour ça qu'il a beaucoup de stress. J'ai commencé à poser la question, pourquoi a-t-il beaucoup de stress? Nous devons prendre beaucoup, beaucoup de décisions chaque seconde. Le client, jamais heureux, toujours fâché avec nous. Nous sommes mécaniques, médecins, philosophes, de fois en fois, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'on a créé le Slow Dentistry. Alors, Slow Dentistry, il est en fondation sans non lucratif. C'est basé à Suisse. C'est quelque chose qui est payé. En membership, c'est 299 euros par année pour les cliniques. Et avec cet argent, qu'est-ce que la fondation fait? Éducation. Tout le monde qui travaille là-bas à Suisse, ils sont... Je ne travaille pas là-bas. Je suis le fondateur, mais j'ai donné à la fondation. Je suis un volontaire, et comme tous les ambassadeurs, comme Cyril et comme beaucoup des autres. Et je vous remercie beaucoup, Jérôme, pour cette plateforme. Nous sommes déjà dans 57 pays. Et le japonais, il aime bien Slow Dentistry parce que le Zen Dentistry, on ne peut pas faire l'excellence avec la vitesse, jamais. Alors, c'est une organisation qui fait la certification de la clinique qui donne le promet. Ce n'est pas le fact. On ne peut pas contrôler chaque traitement. Peut-être dans le futur, avec la technologie, avec la technologie wearables ou avec le Apple Lens ou Google Lens, on peut contrôler ça. Mais ça, c'est quelque chose, pas seulement pour le dentiste, c'est quelque chose pour le client, pour le patient. Alors, les 4 cornerstones fondamentales sont simples, 100% acceptés par tous les dentistes par terre, pour tout le monde, qui c'est faire bien la désinfection de le cabinet entre consultations. Et on va être honnête ici. Faire une bonne désinfection de la chambre, c'est pas, comment je dis, how you say, tidy. C'est pas mettre les choses sur place. La désinfection, c'est différent de mettre les choses en place. Et si vous faire en extraction, il a de sang, blood, de salive partout, et il faut faire une bien désinfection. Alors, une autre chose, c'est expliquer bien le traitement. Je crois qu'à France, ça marche bien. Il faut expliquer tous combien ça va coûter, combien les étages de le traitement.
La troisième chose, c'est toujours le dig de gomme pour 5% de la dévitalisation et pour la plus grande part de la restauration sur dentine. Alors, vous avez en fait beaucoup de bruit là-bas. Sorry. I have a lot of noise. Sorry. C'est moi? Okay, so, le premier, c'est désinfection de le cabinet. Le deuxième, c'est digue de gomme en 100% de la dévitalisation et plusieurs parts de la restauration profonde. Le troisième, c'est faire une belle explication de tout le risque et le prix de chaque traitement. Et le quatrième, c'est attendre que l'anesthésie prenne son plein effet. Et je veux expliquer que slow dentistry, c'est quelque chose de global. Et tristement, Amérique latine et plusieurs parts du monde, il y a des clients qui ont des dentistes qui voient 60 patients par jour. En Malaisie, 100 patients a day par dentiste. C'est incroyable, ça. Et il y a des patients, imagine, qui ont un pulpite, une inflammation sur un molaire en bas, mandibulaire, et tout le monde sait que peut-être 20 minutes, rarement 30 minutes pour réussir l'anesthésie. Et c'est pour ça que toujours au siècle 21, nous avons des gens qui ont toujours des douleurs dans le cabinet dentaire. Alors, ce sont quatre cornerstones, ou pilaires fondamentaux que personne ne peut discuter. Tout le monde dit « Ah, moi, je fais ça ». Moi, je fais ça toujours, toujours. Et je me pose la question, comment c'est possible faire ça et voir 30 patients par jour ou même 25 patients par jour et faire une belle désinfection de le cabinet, de l'ordinateur, de le mouse, de la siège, de tout. C'est difficile. Et avoir des temps aussi pour penser un petit peu, de relaxer. Et c'est pour ça qu'avec COVID, nous étions bien préparés pour ça. Toutes les clients, toutes les cliniques qui pratiquaient slow dentistry comme ça avant COVID, avant la pandémie, tout le monde a parlé qu'il doit presque changer rien dans son workflow quotidien. Parce que j'ai sûr que les cliniques, que son modèle de business, c'était de voir beaucoup, beaucoup de patients par jour et pas charger beaucoup d'argent. Ils ont souffri beaucoup. Pas le clinique slow dentistry. Et je suis sûr que pas Cyril et pas Jérôme aussi. Alors, c'est cher de faire ça aussi. C'est cher de tout le monde dit, bah, Miguel, bah, ça c'est un monde parfait, mais on n'habite pas dans un monde parfait. Je dois gagner de l'argent. Et moi, je réponds non. Vous n'êtes pas dentiste pour gagner l'argent. Vous êtes dentiste pour faire le dentisterie de qualité toujours. Et ce n'est pas vous qui décidez. Et si vous ne gagnez pas de l'argent à faire la dentisterie éthique, vous devez charger plus d'argent ou changer de métier. Mais faire le mauvais dentisterie avec le risque de santé pour votre patient, parce que votre modèle de business, c'est voir beaucoup de patients avec le risque de contamination, cross-contamination, ça, c'est la folie. Et nous avons beaucoup de dentistes autour du monde qui nous ont dit que c'était tellement bon pour le business avoir to belong to the network of slow dentistry. Pour suivre le slow dentistry, slowdentistry.com, c'est facile. Ou slowdentistryglobalnetwork.org, mais slowdentistry.com, c'est plus facile. Et je crois que le vrai succès se mesure dans la longévité de chaque cas que vous traitez, le bonheur et l'avantage pour la santé que vous générez pour vos patients et pas seulement dans chaque euro que vous gagnez. Et ça, c'est mon philosophie de vie. Nous avons responsabilité éthique de faire ce que c'est correct pour nos patients. Nous avons plusieurs cliniques déjà en France. Cyril était le premier, Jérôme aussi, fait déjà presque 2 ans. Il a plusieurs cliniques à France.
Et aussi, Slow Dentistry peut être digital, numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, combien de temps de faire un scan digital? Beaucoup. Combien de temps de faire une analyse de tomographie CBCT? Beaucoup. Combien de temps de faire un digital smile design? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui prennent des temps, des vrais temps. Imagine de faire une planification pour aligneur. Beaucoup de temps. Nous ne sommes pas payés pour ça. Mais le avocat, il est payé pour penser. Pourquoi pas le dentiste? Pourquoi nous sommes seulement payés pour être mécanique et pas architecte? I lost connection. Can you hook me up? Oui, Jérôme. Oui. Alors attends. If you give me password. There we go. So, merci. Now. Et c'est pour ça que je crois que tous les cabinets numériques au monde, ils sont des cabinets slow dentistry. Et on a fait une belle interview sur DDS, Dental Tribune International. Et nous avons des ambassadeurs globaux par tout le monde, Afrique du Sud, France, Angleterre, États-Unis. Et pour parler sur la technologie digitale, je connais beaucoup de business, entreprises numériques qui vendent de scanners. Ils me demandent, Dr. Stanley, pourquoi vous croyez qu'on a beaucoup de clients qui achètent un scanner, ils ne travaillent pas avec le scanner. Ils achètent le scanner facial, ils ne travaillent pas. Pourquoi vous croyez? Et la réponse, c'est toujours la même. Ils n'ont pas le temps dans notre workflow pour le faire. Ils suivent la mentalité ancienne que succès, c'est avoir 60 patients par jour. Moi, je suis content et heureux si j'ai un patient par jour. Et comment faire l'argent? Bon, j'ai fait 60 choses sur cette patient. Non, je rigole. Mais si vous avez un pansement des architectes et pas des mécaniques. Le architecte, il veut voir toujours, comme Cyril il fait, toujours le 14 en haut, 14 en bas, avec une belle occlusion. Et si le client, le patient vient avec seulement un problème dentaire, on va régler seulement un dent. Mais s'il vient avec 28 problèmes dentaires, on doit régler 28 problèmes dentaires. Ce n'est pas nous qu'on va choisir qu'est-ce que c'est plus important pour notre patient. Et c'est une autre discussion, no half smiles. Alors, et le principal de Slow Dentistry, c'est avoir une organisation qui défend le clinique, qui prend un petit peu plus de temps pour respecter son patient. Et je crois que le futur, ça va être très intéressant. Comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à atténuer l'échec et améliorer les soins dentaires? Comment? Des robots? Non. Je crois que l'intelligence artificielle saura ce que vous avez fait de mal. Imagine-vous, dans quelques années, vous avez un site sur Internet et le patient, il demande, « Docteur, est-ce que vous pouvez me passer mon ExoCAD, mon Nemotech, mon scan oral, mon radio? » Parce que ça, légalement, le fil, le data, c'est de patients. Et ils montent ça sur un site indépendant avec une intelligence artificielle qui parle. Non, ça, c'est tout mauvais. Pense un petit peu sur ça. Parce que si le patient a de mécanismes pour savoir que vous avez le montre avec votre expérience, votre qualité, avec la qualité de le matériau, il va vite voir l'intelligence artificielle pour trouver ce problème. À l'avenir, le Google, ou Yelp, ou Facebook ne sera pas seulement émotionnel. Ah, le dentiste est très sympa, il a fait pas de l'heure et le prix c'est fantastique. Non, seulement le meilleur et le plus éthique d'entre vous s'ouvriront. Moi, je suis sûr de ça.
parce que le futur, ce n'est pas seulement le dentiste, entre eux, avec le client, avec tout le pouvoir. Regardez-vous, Uber et le taxi. Le taxi, Monopoly. Vient le Uber. Oh! Imaginez-vous, Amazon. Le change, il vient à notre profession. Et je crois que c'est un bel moment pour commencer à demander des changements dans notre profession. Parce que le patient, ils ont chaque fois plus mécanismes pour trouver les mauvais traitements dentaires. Alors, et vous, que ferez-vous pour changer l'industrie que nous aimons toutes et dont nous soucions tout? So, ça c'est mon petite présentation. Merci beaucoup. Et je crois que on peut parler maintenant sur COVID. Et je veux demander à vous, Cyril, parce que je sais que tout, parce qu'on a parlé déjà, il fait 4 ans sur le Slow Dentistry. Vous êtes membre, il fait, je crois, 4 ans déjà, ouais. Que vous êtes sur le site de Slow Dentistry International. Vous avez trouvé que, parce que vous êtes vous faites la réhabilitation orale complexe, des grands cas, des belles cas, et vous comprenez l'explication d'architecte et pas mécanique. Et pour vous, parce que je sais que vous pensez beaucoup, vous donnez des conférences sur ça, que nous ne sommes vraiment pas payés pour penser. Nous sommes presque toujours payés pour faire le traitement. Et comme on veut réussir avec le traitement mécanique, on fait le bel investissement sur le temps de penser, de faire la planification et la préparation de la salle. Alors, avant même de être sur l'organisation Slow Dentistry, vous pratiquez Slow Dentistry longtemps, et aussi Jérôme, je sais. Et vous croyez que vous étiez bien préparé pour COVID, et ça a changé beaucoup votre manière de travailler? Miguel, quand on s'est rencontrés, donc comme tu l'as expliqué, en fait, j'étais déjà dans l'organisation Slow Dentistry. Et quand tu me l'as proposé, je dis « bah oui, ok, je peux y aller. Merci pour la confiance parce que en fait, ça ne va rien changer dans ma pratique. » Et comme tu l'as très, très bien expliqué, c'est que en fait, quand le Covid est arrivé, en fait, ça n'a pas changé ma pratique. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que mon cabinet, en fait, il y a 11 fauteuils. 11 fauteuils, j'avais imaginé les 11 fauteuils à ce que chaque dentiste travaille sur 2 fauteuils pour avoir le temps de désinfecter, comme tu l'as expliqué, pour voir moins de patients, enfin pour toute cette philosophie. Sauf que tous les dentistes n'ont pas la volonté de travailler sur le 2 fauteuils. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé, avant Covid, à moi continuer à travailler sur 2 fauteuils parce que j'ai toujours fait ça, et avoir un certain nombre de dentistes dans ma clinique qui travaillaient sur 1 seul fauteuil. Et quand Covid est arrivé, il a fallu repenser toute l'organisation à cause du Covid. Pas pour ma pratique où je travaille sur 2 fauteuils, parce que finalement, ça n'a rien changé pour moi. J'ai continué à travailler sur 2 fauteuils. Je voyais un patient, j'avais fini avec un patient, je passais sur l'autre fauteuil qui avait été désinfecté pendant peut-être 1 heure, parce que pendant 1 heure, j'étais sur 1 fauteuil, et ainsi de suite. Et tu vois comment ça s'organisait. Sauf que mes associés à l'époque travaillaient sur 1 seul fauteuil. Et là, il a fallu tout changer. Et il a fallu augmenter les plages horaires pour pouvoir rentrer le même nombre de dentistes, mais que chaque dentiste travaille sur 2 fauteuils. Et finalement, ça, ils y ont pris goût. Et au final, on a switché, donc juste après le Covid, pour mes dentistes associés, on a switché d'une journée de 8h à 18h. On est passé de 7h30 à 13h pour un dentiste qui travaillait sur 2 fauteuils et l'autre dentiste qui arrivait et qui travaillait de 14h jusqu'à 20h ou 20h30 sur 2 fauteuils. Et donc, on voit bien comment il a fallu changer entre ma pratique qui était sur 2 fauteuils où ça n'a rien changé et la pratique où on est sur 1 seul fauteuil. Et sur 1 seul fauteuil, la pratique correcte sur 1 seul fauteuil est hyper compliquée, voire impossible. Ou alors, il faut voir un patient pendant 2 heures, laisser 1 quart d'heure de désinfection et revenir avec un autre patient. Alors oui, c'est possible. Pendant 1 quart d'heure, tu vas aller
faire des planifications, tu vas étudier, tu vas faire l'architecte. Oui, c'est une possibilité, mais c'est quand même beaucoup plus facile en organisation d'avoir deux fauteuils, de pouvoir switcher d'un fauteuil à l'autre fauteuil. Mais imagine-vous, c'est une incroyable explication, mais imagine-vous un dentiste qui, dans son cabinet, il a que un fauteuil ou deux fauteuils. Son stratégie de les dernières 10 ans avant COVID, c'était avoir 20 patients par fauteuil par jour. C'était la folie. Alors, je crois que c'était une opportunité incroyable dans notre industrie de faire le changement et de changer quelque chose. Alors, Jérôme, tu crois qu'a changé quelque chose à France? Quel est le moyen? Je ne sais pas sur ça. Imagine-vous, il a des cabinets que vous connaissez qui voient plus que 20 patients par jour pour fauteuil à France? Bah oui, ça existe hein, de toute façon. Maintenant, je pense que le Covid a amené une véritable rupture, de toute façon, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec tous les moyens nécessaires qu'il fallait déployer pour désinfecter un cabinet, et on nous a bien expliqué, il y a eu suffisamment de conférences, de webinars, de documentation pour nous apprendre comment fallait-il, après le premier confinement, pour désinfecter un cabinet, qu'il fallait prendre du temps, qu'il fallait un quart d'heure pour aérer un cabinet, qu'il fallait des filtres, qu'il fallait nettoyer un petit peu plus que ce qu'on faisait avant. Et ben finalement, on s'est tous un petit peu rendu compte que en faisant tout cela, c'est pas possible à ce moment-là de prendre autant de patients qu'avant. Donc finalement, le Covid nous a forcé la main à recevoir moins de patients déjà. Ça c'est ma opinion. Mais ce qui m'impressionne, et je te remercie pour cette présentation qui introduit la discussion, c'est encore une fois, Cyril, tu l'as dit à demi-mot, mais Miguel, quand on s'était eu au téléphone il y a 2 ans déjà, on s'était eu, je crois, à l'été 2020, je m'étais dit, le Covid, c'est bientôt fini, bon, j'ai eu parfaitement tort, mais je suis pas le bon analyste pour ça. Et à cette époque-là, déjà, je t'avais proposé de dire quelque chose sur notre plateau. Et quand je t'avais demandé qu'est-ce qui va changer pour toi après ce premier confinement, qu'est-ce qui va changer pour toi dans ton cabinet, tu m'as dit pas grand-chose. Parce que je fais de la slow dentistry. Et que finalement, je vais passer un petit peu au travers de tout ça, parce que j'applique déjà quasiment, alors t'avais pas forcément tous les équipements de protection individuelle avec le masque, avec la surblouse, tout ça pour tous tes actes invasifs ou qui génèrent beaucoup de pollution autour du patient. Mais finalement, tu disais que grâce à la slow dentistry que j'applique depuis plusieurs années, que j'ai codifié. Je sais pas si les gens ont bien compris quelles étaient les pierres angulaires, mais tout ça, ça semble de couler de source. Mettre la digue, expliquer au patient son traitement, mais tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Ça semble évident pour beaucoup de monde, mais finalement, ça prend véritablement du sens depuis, pour moi en tout cas, depuis le Covid. Donc pour répondre à ta question, en tout cas, c'est certainement impossible. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait recevoir autant de patients qu'on le faisait avant. Qu'il y a cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, je ne comprendrais pas comment certains praticiens finalement abandonnent toutes ces bonnes pratiques. Et malheureusement, on sait que certains se voient obligés parce qu'ils subissent des pressions, ils subissent la pression des patients, parce qu'ils sont dans des zones sous-dotées en praticiens, parce qu'il y a le RAC 0 qui les oblige finalement à être toujours plus productifs. Et ce qui est inquiétant, c'est que finalement, on a quand même beaucoup de confrères qui malheureusement, finalement, sont peut-être revenus, peut-être pas totalement, mais qui sont revenus en tout cas à la situation avant Covid. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. Oui, alors... Parce que tu rencontres beaucoup plus de monde que moi, puisque tu formes des gens, tu coaches des gens, donc tu dois rencontrer justement ces... Ouais. Il y a des gens qui doivent te parler de ça. Ouais, complètement. Le Covid a eu
un énorme avantage. Le Covid a eu l'avantage de nous forcer à nous arrêter sur notre vie pendant 2 mois. 2 mois, tu rentres chez toi, tu fais rien, tu n'as pas le droit de sortir. Donc, dit comme ça, c'est très violent. Et finalement, c'est 2 mois où on a pu déjà réfléchir à ce qu'on voulait faire dans la vie, quel type de dentisterie on voulait faire. Le deuxième avantage qu'il y a eu, c'est que ça a vidé nos agendas. Parce que le gros problème, c'est nos agendas, c'est comment on gère nos agendas, comment les patients nous mettent la pression pour avoir un rendez-vous rapidement ou en urgence. Et comme tu l'expliquais, Jérôme, c'est encore plus dans les zones désertiques où ils sont submergés, ils ont les plannings qui sont pleins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je me souviens très bien, moi j'ai dit à ma secrétaire en blaguant, là j'étais aussi bon analyste que toi, Jérôme, sur le coup. Donc on est confiné, je dis à mes secrétaires, bon écoutez, les 15 prochains jours, là, vous me virez les patients et vous me les remettez dans 15 jours. La secrétaire me dit, ah, Cyril, ça risque d'être un peu plus long que ça. Je fais, non, 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 dans 15 jours, c'est bon, on retourne travailler. Bon, elle avait raison, on est retourné que 2 mois après. Mais ça veut dire que pendant 2 mois, j'avais vidé mon agenda, comme tous les dentistes. Quand on est retourné travailler, on a pris le temps de bien planifier nos agendas, et je pense que tous les dentistes ont fait ça, de bien structurer nos agendas, et en fait, on voyait moins de patients, et je me mets dans le terrain, parce qu'en fait, aujourd'hui, si je prends mon agenda d'aujourd'hui et mon agenda du 11 mai au mois de juin, juste après le déconfinement, c'est pas exactement le même. Donc, on a pris le temps de bien positionner nos patients sur l'agenda, de prendre du temps, de bien désinfecter, de faire de la slow dentisterie, peut-être sans le savoir pour ceux qui ne connaissaient pas. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était aussi rentable, voire plus rentable, et qu'on prenait beaucoup plus de plaisir à soigner les gens. Et le temps fait, et les habitudes font qu'on oublie ça. Mais si on se souvient tous, je suis à peu près sûr que le mois de les 15 derniers jours de mai, le mois de juin et le mois de juillet après le déconfinement sont probablement dans nos agendas les meilleurs mois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible, mais que ça nécessite de savoir dire non aux patients et de reprendre la main sur nos agendas et que ce soit nous qui décidions de comment on allait gérer nos agendas et pas les patients qui nous mettent la pression. Une remarque aussi que je me fais, et ça c'est quelque chose que je voudrais poser à Miguel. Est-ce que tu as vu une différence côté patient? C'est-à-dire, est-ce que les patients sont venus dans ta clinique et ont finalement demandé autre chose qu'avant? Est-ce qu'il y a une prise de conscience quelque part? Est-ce que les patients ont réclamé une autre dentisterie? Après justement, après le premier lockdown, après donc le premier déconfinement, est-ce qu'ils se sont rendus compte que bah tiens finalement ouais le cabinet ah bah il est beaucoup plus propre qu'avant, j'avais pas vu tout ça. Est-ce que les patients font peut-être attention à plus de détails et ça les amène finalement à être plus exigeants qu'avant et à penser à autre chose effectivement qu'au remboursement des soins et voilà. Ok, c'est une belle question. Je crois que, en première place, entre mars et juin de 2020, c'était le top, le haut stress que tout le monde croyait que ça était quelque chose c'était obviamment dangereux. Mais le premier 3 mois, on a changé la manière d'entrer dans la clinique. Alors, on a créé une super équipe. On a fait une diminution de la numéro de consultation et on a commencé à faire le précharge like prepayment. On a éliminé la réception et le patient, ils ont payé à faire bank transfer avant de venir à la clinique. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que personne a dit non. Personne a dit je vais payer après, comme c'est normal. Alors, ça nous a donné la capacité de demander toujours un deposit de la première personne pour le PPE, pour le Personal Protection Equipment. J'ai fait un investissement sur HEPA filters. J'ai acheté 7
filtre HEPA de haute puissance pour faire le filtre de air. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai entre avril, mai, juin, le premier 3 mois, à le moment de haute stress, peut-être 20 patients que j'ai croyé j'ai perdu pour l'autre clinique qui sont retournés à mon cabinet. Avec le cette mot comme ça, docteur, j'ai changé de clinique parce que c'est à côté de ma maison, parce que c'est moins cher, parce que mon assurance paye. Et je me toujours souviens que vous êtes fanatique pour stérilisation et désinfection. 20 nouveaux patients qui a retourné que je croyais que j'ai perdu. Alors, they remembered. Ils envoient la mémoire que nous avons le système de ne pas avoir beaucoup de patients. Et c'est ça que ça m'a donné de confiance aussi que nous étions sur le bel chemin. Et aussi, membership de Slow Dentistry, 500% entre avril de 2020 et septembre de 2020. 500% de croissance autour du monde. Parce que toute la clinique qui faisait déjà les belles désinfections, les belles protocoles comme vous, veut aussi parler avec ses patients qu'ils prennent le temps pour faire les choses bien faites. Mais j'ai pas eu beaucoup de stress de mes patients parce que, comme je dis, imagine, en hygiène orale, que normalement c'est 45 minutes de temps de fauteuil, les autres 15 minutes. Alors, le workflow a changé pas beaucoup. Le patient aura toujours beaucoup de confiance. Jamais j'ai eu de stress de ne pas payer. Et je crois que la confiance et l'assurance, c'est quelque chose que c'est DNA de notre client, de notre clinique. Non, il a des cabinets dentaires par monde que le dentiste il fume dans son cabinet. C'est les salles des bains sont sales. La clinique est sale. Le dentiste il a une belle Mercedes, mais la clinique il est sale. Et je crois qu'il a beaucoup de monde qui a été bien blessé. J'ai pas euro pour ça, mais peut-être c'est une opportunité pour changer et pour. Je connais plusieurs de dentistes qui sont maisons fantastiques. Maison de champagne, fantastique. La voiture, incroyable. Toujours en business class, mais les cliniques, pas top. Et ça, c'est pas bon. Alors, je crois que la vie, c'est un process de filtrage et de croissance. Et tout le monde pour... c'est comme le... Uber. Beaucoup de taxis mauvais ont pas réussi avec le Uber. Mais beaucoup de taxis ont fait... ils ont fait un gros en vêtements, new cars, nettoyé, le service était amélioré. Ça s'est passé à France, non? Oui. Ça s'est passé. Alors, il a des moments cataclysmes dans chaque industrie. Et je crois que COVID, c'était un moment incroyable pour nous, pour mettre en échec la manière de travailler et de peut-être ça va changer. Pas beaucoup dans quelques années et j'espère que ça passe vitement pour tout le monde. C'était un moment vraiment difficile partout. On a perdu des amis, on a perdu beaucoup de choses. C'était difficile. C'était un moment presque impossible de manager pour notre gouvernement. Et je crois que j'ai vu avec de l'énergie positive entre l'industrie. Je crois que les entreprises aussi, ils ont aidé beaucoup le dentiste. Il a plus amitié entre dentistes, je crois. Je crois que le dentiste, il a plus support entre nous. Je crois qu'il avait beaucoup de jalousie et beaucoup de
de guerre entre dentistes avant COVID. Et je crois que ça a fait la unification de notre industrie parce que tout le monde a souffri, tout le monde a passé des mauvais moments. Et j'ai sûr que les dentistes qui en ont changé sont pleins de voir moins patients, faire un vêtement comme that we've done all our career. Ils ont réussi, you know, they were better. So pour moi, pardon, là, j'ai fait un discours long. Pour moi, j'ai récupéré beaucoup de patients qui en ont changé pour le clinique moins cher avec l'assurance au plus près de son maison. J'ai réussi beaucoup de patients parce qu'ils connaissent qu'ici, c'est plus cleaner, plus bien nettoyé. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que il y a une question qui a été posée là sur Facebook. Je pense que tous les dentistes veulent travailler avec 8 patients par jour. Mais dans les zones sous-dotées de praticiens, c'est un peu difficile, surtout que comme dentiste, nous ne pouvons pas refuser un malade qui souffre. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, justement, aux praticiens qui sont sous pression, justement, et parce que tout le monde aspire, finalement, à travailler dans d'excellentes conditions, avec peu de patients, en faisant des rendez-vous très longs. Donc, quel conseil est-ce qu'on peut donner ? Ok, ça c'est quelque chose. Mon réponse, ça n'être pas politiquement correct. Ah. Ok. Alors, relax, Jérôme. Personne vous mettre un pistolet à la tête et vous demande de travailler mauvaisement. Personne. Et c'est votre boss ou votre business ou l'entreprise, ce que vous travaillez, vous obligez à voir un numéro exagéré de patients par jour, vous devez faire un de deux choses. Changer la politique de travaux dans cet endroit ou abandonner de travailler là-bas. Et peut-être changer de ville, changer de clinique, changer de pays ou changer de métier. Mais faire des mauvais traitements dentaires sur stress, sur pression, c'est pas ton faute que tout le monde brosse pas les dents. C'est pas votre faute que personne a l'argent pour faire le bel traitement. C'est pas votre faute qu'il a autres dentistes qui sont mauvais dans votre ville. Vous êtes responsable pour être en lumière dans le soir. Vous êtes un pilaire de scientifique, vous êtes un médecin dentaire. Vous avez étudié sur l'université, il a des littératures, il a des profs scientifiques que si vous faites ça, ça ne marche pas. Si vous faites ça, ça marche bien. Qui êtes-vous pour changer les règles? Seulement pour être sympa. Nous ne sommes pas payés pour être sympa. Nous sommes payés pour être efficaces. J'aime bien expliquer efficace. Efficace, oui. Efficace. Nous sommes scientistes. Nous ne sommes pas, avec tout le respect du monde, pour hairdresser. Coiffeur. Le coiffeur, je crois que c'est une profession de grand stress. Parce qu'imagine, vous coupez mauvaisement, c'est horrible. Mais. Ouais, je peux en dire quelque chose, oui. Mais je crois avec tout le respect, c'est pas l'art, c'est la science. Et je crois que en coiffeur, il doit être toujours sympa pour avoir de clients. Il faut, pour réussir bien dans notre industrie, des fois en fois, perdre de le patient. Non, je veux pas faire ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'évidence scientifique que ça va marcher. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas l'expérience de vous aider. Je veux aider, mon cœur veut aider, mais je n'ai pas la capacité de faire le bienfait. Ah, mais je peux donner 100 euros. Non. 1000 euros. Non. 10 000 euros. Non. Et c'est ça que c'est la décision difficile. Et c'est ça qu'on doit changer. En Angleterre, j'ai donné la première conférence de Slow Dentistry en Angleterre, novembre 2019.
tout le monde. Il rigole avec moi avant le COVID. Sur Sky News, le prochain jour, parce que it came out in Daily Telegraph, Slow Dentistry fait la proposition de voir que 8 patients par jour. Ha, 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 ha. 4 mois après COVID. Personne à rire. Nous, c'est pas notre faute que la société s'est cassée, que les gens n'ont pas l'argent, qu'ils ne brossent pas les dents. Nous sommes dentistes. Nous avons la science de notre côté. Et si vous ne pouvez pas gagner en argent pour avoir une vie stable, pour votre famille, pour avoir la nourriture, pour avoir des choses, you know, have a good life, peut-être changer de métier. Et une question aussi que je voudrais poser, c'est le rôle du staff, parce que dans ton cabinet dentaire, il n'y a pas qu'un dentiste. Tu as aussi des assistants dentaires, des assistants et des assistantes. Comment les changements sont après justement comment les changements sont été acceptés après qu'on ait parlé des patients par le staff, par les assistants dentaires? Ça c'est une grande question. Merci pour la question. Je crois que la réponse c'est comme ça. Pour moi, parce que j'ai seulement un cabinet, j'ai pas un network, j'ai 7 fauteuils. J'ai presque 38 personnes dans mon clinique, beaucoup de monde qui travaille. Quand je vois un patient nouveau, chaque fois que j'ai un nouveau patient qui vient à mon clinique, je ne le connais pas. Si j'ai fait le radio, le CBCT, je connais immédiatement le problème, mais je ne connais pas le patient. Et pour moi, le patient, c'est un risque. Mon métier, le premier métier comme capitaine de ce bateau, c'est protéger mon équipe. C'est pas protéger le compte bancaire, c'est protéger mon équipe. Et ça, c'est une mentalité de leader, je crois, dans cette profession. Alors, la protection et le droit à et l'assurance que je peux donner à mon staff d'arriver à son maison au bout de chaque jour, relaxé, pas avec le stress, et pas à COVID. Parce que moi, je suis dentiste depuis 1998. Hepatitis C, influenza, HIV, AIDS, all of this stuff. Chaque fois qu'on enlève un dent, qu'on fait un abcès, il y a beaucoup de choses dans l'air. Nous, dentistes, nous étions bien préparés pour COVID plus que quelques autres métiers dans le monde. Nous étions le premier médecin à travailler avec le masque, toujours, avec les gloves, toujours, avec la protection oculaire, tous les jours. Nous étions peut-être le plus bien préparés pour le COVID, mais pas les dentistes, parce qu'il y a plusieurs dentistes qui sont assistants, c'est aussi le réceptionniste, c'est son assistant personnel, il nettoie la salle des bains, il nettoie le salle, il fait la stérilisation, en dentiste, 2 fauteuils, en réceptionniste, passe le dentistry. Et pauvre assistant qui travaille comme ça, ça c'est pas respect. Et maintenant, aux États-Unis, et aussi en Angleterre, il y a plus de dentistes qui parlent sur mental health, la santé du cerveau. Now they say brain health, you know, et le stress. Et je crois, imagine-vous, moi, j'ai 7 fauteuils et je vois un patient par heure minimum, un maximum. Alors, imagine, je peux donner demain un ordre pour voir chaque 30 minutes, 16 patients par jour. 16 patients pour mes assistants, c'est 16 fois qu'ils doivent nettoyer, 16 fois qu'ils doivent dire bonjour, ouvrir la fenêtre, ouvrir la 16 fois. Mes assistants, 8 fois. Et ça, je crois que c'est moins stressant pour eux, moins stressant pour mes médecins. Et je crois que c'est quelque chose de différent. Et oui, je charge plus pour ça. Oui, ce que nous, normalement, on n'aurait pas le droit de faire.
Je sais pas Mais comment ça, Cyril, c'est. tu gères ça dans ton cabinet. Est-ce que les Mais ça, équipements de c'est. protection individuelle, tu as répercuté justement le coût? Parce qu'il y a eu des pseudo-aides, mais finalement, bon, pas grand-chose. Donc ça, c'est y a un coût supplémentaire hein, pour protéger le patient, pour protéger l'équipe. Bah alors, Mais ça, c'est, pour moi, ça, c'est la folie. Parce qu'imagine, à Hollande, à the Netherlands, Hollande, je crois, peut-être je peux être équivoqué, et caché, wrong. Mais the worst dentist, le pire dentiste à Hollande, il doit charger le même que le meilleur dentiste à Hollande. Quel est l'incentif de le meilleur dentiste travailler bien? Il n'a pas d'incentif. Il n'a pas de place pour le socialisme dans le dentaire. Ben Je crois que. c'est un peu ça finalement, comment le système de santé de notre pays fonctionne comme ça. Ma femme, elle est originellement ukrainienne, elle a le passeport français, elle habitait 14 ans en France. Et moi, je suis allé là-bas un jour à l'hôpital avec elle. Incroyable. Incroyable. Cher. Incroyable. Et donc, la dentisterie, c'est différent que la santé. Parce que la dentisterie, peut-être le système, il était créé, il fait quand? 50 ans? Ou après la guerre? Quand le traitement, c'était faire le plombe, faire une restauration, faire en extraction et en plaque dentaire, pas cher, pas cher. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est impossible de faire la dentisterie moderne payée pour l'État. C'est impossible. Alors, où peut commencer le socialisme et commencer le capitalisme? Où? Avec le couronne, avec les implants, avec le facette, avec l'orthodontie, qu'est-ce que c'est plus important? C'est impossible. Et je crois personnellement que nous dentistes, ce n'est pas notre faute que les gens nettoient pas les dents. Ce n'est pas notre faute. C'est notre obligation de faire toujours gold standard dentistry. Gold standard. Dic de gomme toujours, faire le bien planification, être bien payé pour penser. Parce qu'imagine, un dentiste qui travaille pour l'État et qui est payé pour l'État. Quel est son incentif de le faire parfaitement chaque fois il peut être 10 ans après payé autrefois pour faire une dévitalisation. Il commence restauration classe 1, 3 ans après dévitalisation, le même dent, 5 fois après extraction, 10 ans après implant dentaire, toujours un traitement différent. Mais s'il a fait slow dentistry la première fois, cette dent pour le reste de la vie de le patient. Qu'est-ce que c'est meilleur pour l'État? Je crois que c'est plus intelligent de le faire super bien fait la première fois. Je crois que l'État n'est pas bien programmé et les assurances, ils aussi sont pas bien programmées parce que nous, dans notre cabinet privé, c'est moi qui donne des garanties sur mes traitements, je vais le faire vraiment bien fait la première fois. Quel est l'incentive de le dentiste qui est payé pour l'État de le faire bien fait? Zéro. Ouais, mais après, c'est parce que aussi chez nous, c'est le logiciel du système de santé qui est plus dans le curatif que dans le préventif. Il me reste deux questions que je voudrais poser. D'abord, c'est est-ce que quand même il y a des choses que vous avez abandonnées tous les deux? C'est-à-dire que vous avez déployé tout de suite après la réouverture du cabinet, après le premier confinement, et que finalement. Vous avez déjà abandonné, vous êtes revenu sur quelque chose. Cyril. Je vois une chose qu'on a abandonnée, c'est les surblouses. Les surblouses, on ne les met plus aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on a abandonnée. Tout le reste est toujours en place. S'il y a une deuxième chose qu'on a abandonnée, c'est que juste après le déconfinement, en fait, on a fait installer en bas
lavabo pour que les gens se désinfectent la bouche et plein de casiers pour que les gens laissent toutes leurs affaires et qu'on les habille en surblouse, tout ça. Les gens continuent à faire les bains de bouche en bas, mais ils gardent leurs affaires avec eux, c'est-à-dire tous les manteaux, sacs à main, tout ça, autant à l'époque qu'ils posaient tout en bas, là ils les gardent avec eux. Et nous, les surblouses, une partie de l'équipe ne met plus les surblouses. Il y a une autre partie de l'équipe qui continue à mettre les surblouses. D'accord. Et Sinon, tout le chez reste, toi, Miguel, est-ce qu'il y a des c'est en choses sur place. lesquelles tu es revenu, ou est-ce que tout ce que tu as mis en place après depuis le Covid est toujours là? Attends. J'ai mon super. Je l'appelle Beastie Boys. Vous connaissez le Chernobyl outfit. Ça m'a aidé beaucoup à perdre de le poids, peut-être 10 kilos, parce que ça, c'est le sauna portable, parce que ça ne respire pas. Et ça, j'ai vraiment content de ne pas travailler avec ça encore, parce que, wow, chaud, chaud, chaud. Aussi, peut-être l'excès de protection PPE. J'ai le chaussure, toujours la protection de la chaussure. Le chevaux, on a maintenir le chevaux et chaque patient a une petite boîte, un grand boîte de, imagine, 50 litres pour mettre ses choses Les affaires, ouais. personnelles. Ouais, il est protégé par quand il entre dans la clinique. Et aussi une chose fantastique, le patient, il ne peut pas emmener quelqu'un avec eux. Imagine, tout le monde connaît nous sommes tous dentistes ici. Il a toujours un patient qui amène son femme, son mari, sa mère. Et c'est celle-ci que c'est toujours critique de notre métier. Alors, la chose que pour moi, si vous êtes adulte, venez toute seule à la clinique. Si vous avez un problème de mobilité, bien sûr, bien accompagné avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, le patient avec plus que 18 ans vient seul à la Pas clinique. Il ne peut d'accompagnant, ouais. pas d'accompagnant. Et ça, c'est incroyable pour nous parce que moins stress partout, moins personne sur waiting room. Et c'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a maintenu quand même, que les patients gardent tous leurs surchaussures et les charlottes pour les cheveux, et on ne peut pas revenir en arrière, et la caisse pour mettre les vêtements. On a arrêté évidemment de mettre des EPI, des équipements de protection individuelle, donc des PPI, parce que, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais les surchaussures et la charlotte, ça, c'est un truc, on ne peut pas revenir en arrière. D'abord, finalement, quand on y pense, c'est complètement dingue. Les gens viennent avec leurs chaussures dans notre salle de soins, alors que nous, on fait l'effort, évidemment, c'est normal, c'est notre tenue professionnelle, d'avoir des chaussures dédiées à la clinique. Et puis, j'ai remarqué également pour les cheveux, c'est quand même un gain de propreté. D'abord, on n'a plus de cheveux de. On n'a plus de cheveux par terre finalement. Et Et on ça, c'est. demande aussi pour venir avec pas beaucoup de choses, ouais, D'affaires? de, Mmh. oui, Oui. pas, venir via, avec le vêtement simple, avec et ça, on envoie un email au patient, s'il vous plaît, venez pas pour aller à l'opéra, non, hein, viens pour Simple. comme simple, Comme au ça, McDonald's, comme vous êtes. Vous venez ouais. comme vous êtes. Alors. Aussi, pas de magasin dans la salle d'espoir. On a toujours une barrière. Tout le monde est testé au bout de avant d'entrer avec la température digitale numérique. Et c'est ça. Et je crois que c'est important d'avoir le. Même que ça, c'est seulement quelque chose un théâtre. OK, peut-être. C'est important aussi pour le patient d'avoir la confiance. Oui, et puis finalement, est-ce que c'est si mauvais que ça? Donc voilà, c'est pas non plus une si grande contrainte. J'ai une question maintenant pour Cyril, pour le coach que tu es. En gros, ton agenda s'est nettoyé tout seul finalement avec le confinement, donc tu en as profité pour faire un reset au niveau organisationnel.
pour ceux finalement qui sont revenus dans la spirale, ça concerne quand même beaucoup de monde, même nous, hein, même moi au cabinet. Bon, qu'est-ce qu'on reprend des mauvaises habitudes qu'on avait avant le Covid au niveau de l'agenda. Est-ce que il est jamais trop tard? Est-ce que tu peux conseiller de refaire encore un grand coup de ménage, finalement comme si le Covid nous avait reconfiné? Est-ce qu'on peut encore nettoyer son agenda aujourd'hui alors que l'activité a repris de plein fouet? Ouais, on peut le faire. Ça va juste prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire que ça va pas être instantané. C'est-à-dire que si tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois d'agenda complètement plein, je vais pas dire, bah, écoute, tu appelles tes patients, tu annules les rendez-vous et tu reconfigures ton agenda comme tu veux. Non. Maintenant, à partir du moment où tu as du vide dans ton agenda, tu décides que bah, ça va se passer comme ça et ça sera pas autrement. Donc c'est complètement possible à faire, mais ça demande une volonté importante, une discipline importante, et ça demande une vraie réflexion au départ de quel type d'agenda je veux. Mon agenda, en fait, je vais pas dire tous les ans, mais tous les 5 ans, en fait, mon type d'agenda change parce que ma pratique peut changer, parce que mes envies vont changer, parce que je vieillis et je travaille plus forcément de la même manière. Et donc, ceux qui m'ont écouté en conf il y a des années, j'expliquais que voir les nouveaux patients, je ne les voyais pas le soir parce que j'étais fatigué le soir, j'avais bossé toute la journée et que je préférais les voir le matin. Et aujourd'hui, si je t'ouvre mon planning, c'est chirurgie de 8h à 15h. Et à partir de 15h, je fais toutes les consultations et tous les nouveaux patients. Donc, ça n'a rien à voir. C'est des périodes de vie et des styles de pratique qui sont différentes. Et donc, il faut se poser la question à chaque fois, voilà, c'est quoi mon agenda idéal, qu'est-ce que j'aimerais faire, et ensuite s'y tenir. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que encore la première partie, on passe un peu de temps avec un cahier, un ordinateur, un tableau Excel, on y arrive. La deuxième partie, s'y tenir, et que les secrétaires, les assistantes s'y tiennent, c'est ça qui est plus compliqué. Et ça, il faut le suivre tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, ça revient, hein, de toute façon. Dès qu'il y a du vide, le vide se remplit. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait déjà un bon tour, en tout cas, du sujet de ce soir. Je voudrais vraiment, vraiment encore te remercier, Miguel, d'être venu sur. C'était ton premier webinaire que tu fais en français, non, je crois. Et merci pour ton pragmatisme, merci pour ton franc-parler, merci pour de nous En avoir. français. J'espère que ça a pu ouvrir les yeux de certains confrères, dans le bon sens, hein, il n'y a rien de négatif, il ne s'agit pas de blâmer, évidemment, mais j'espère que ça permet de nous faire tous progresser. Et si vous souhaitez en tout cas adhérer à la Slow Dentistry Global Network, eh bien, vous vous rendez donc sur slowdentistry.com ou slowdentistryglobalnetwork.com aussi, je crois. Et j'ai su que si vous rentrez, si pour votre première année de cotisation, si vous rentrez le code EGENOL, vous avez le droit à une réduction. Voilà. Et EGENOL n'a évidemment aucun lien d'intérêt avec la Slow Dentistry. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Portez-vous bien et à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Merci. Merci Jérôme. Merci Merci Cyril. Jérôme. À bientôt. Salut Ciao. Miguel. Merci. Salut, salut.